On a donc souhaité effectivement organiser ce webinaire sur les migrations fonctionnelles on-premise et cloud parce que voilà, on s'est dit que c'était une problématique qui devait effectivement intéresser un certain nombre de nos adhérents. Donc, en termes d'organisation, en fait, cette session a été pilotée par trois administrateurs de l'OFO. Donc, Jérôme Gauvry, DSI chez Baudet, Marie-Claude Joron, qui est directeur de projet GEM Conseil, et Hélène Napoli, organisation transverse et maîtrise d'ouvrage Crédit Agricole Assurance. Donc l'agenda est le suivant. Christophe Dumont va nous faire une introduction pour nous expliquer ce qu'est une migration fonctionnelle, quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les méthodes et les outils qui sont disponibles sur le marché. Et ensuite, on donnera la parole à Bertrand Cuvelier et Victor Tahar qui présenteront en fait les solutions qu'ils se proposent, donc Softa Conseil, dans le cadre d'une migration on-premise vers du on-premise et dans le cadre d'une migration on-premise vers le cloud. Je prends encore un petit peu de temps de parole pour vous dire qu'on a souhaité, dans la continuité de ce webinaire, faire une table ronde. Donc ce sera le 10 décembre de 9h à 10h. Un certain nombre d'entre vous se sont déjà inscrits. L'idée, c'est après la théorie, si je puis dire, la pratique, on voudrait effectivement que vous puissiez les uns et les autres échanger sur les migrations que vous avez réalisées, qu'elles soient donc on-premise vers on-premise ou on-premise vers cloud, pour nous dire comment ça s'est passé, quels outils vous avez utilisés et avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment compte tenu de votre expérience. Voilà, je laisse la parole à Christophe. Bonjour à tous, je vais prendre la main et partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que... Oui, tout à fait. Ça doit être tout à fait OK. Donc, je me présente, je m'appelle Christophe Dumont, je suis directeur de projet chez Talent, donc je suis un peu plus de 2 ans maintenant. Ça fait 25 ans que je travaille dans le monde Oracle. J'ai commencé par une expérience fonctionnelle. J'ai été consultant fonctionnel, responsable fonctionnel et puis maintenant directeur de projet maintenant depuis une dizaine d'années sur différents projets en R12 et en cloud. Donc, je me propose de... Ah, je ne peux plus... Voilà, c'est OK. Je me propose de vous parler dans un premier temps, pendant les premières 45 minutes, de ces migrations fonctionnelles. Tout d'abord, de savoir de quoi on parle, c'est-à-dire quel type de migration fonctionnelle existe aujourd'hui. Quelles sont les phases projets qui vont nous intéresser pendant ces migrations fonctionnelles et sur lesquelles je vais pouvoir vous parler des bonnes pratiques de migration en mode fresh install, puisque c'est ce mode qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis, vous, en termes d'introduction à la partie Softa, vous parlez de quelques outils d'aide à cette migration fonctionnelle pour passer ensuite la main à Softa sur la partie reprise de données proprement. Voilà. Sur les questions et les réponses, on aura une partie questions-réponses à la fin de la présentation, mais pendant toute la présentation, vous êtes amené à poser les questions dans le chat et j'y répondrai bien entendu. Hélène me passera les questions et j'y répondrai bien évidemment. Voilà. On va commencer par la présentation de Talent rapidement. Talent, une entreprise, est une entreprise française qui existe depuis une vingtaine d'années, qui fait 300 millions de chiffre d'affaires, qui est un groupe qui est composé de 3000 consultants aujourd'hui, qui est réparti en France, en région, mais également on a une partie short en Tunisie, et qui est en expansion puisque nous faisons à peu près 30% de chiffre d'affaires chaque année. Talent composé de différentes structures, dont Talent Solutions qui m'emploie. Talent Solutions travaille donc autour des logiciels, de la solution et de tout ce qui tourne autour de la BI. Mais chez Talent, il y a d'autres structures, le short, je vous en ai parlé tout à l'heure, le consulting et le métier avec l'opération, toute la partie technologique avec la partie technologique autour de l'IoT, l'IA, le blockchain et le big data et le consulting. Nous avons chez Talent Solutions une entité Oracle. On travaille sur les solutions Oracle depuis une bonne quinzaine d'années. On est Oracle Partner Gold.
on travaille avec évidemment l'éditeur en permanence et tout au long de l'année. En termes d'effectifs autour d'Oracle, on a 145 consultants Oracle aujourd'hui qui travaillent sur les solutions Oracle IR12, Cloud, mais également EPM. 145 consultants qui travaillent sur toute la couche hein, qui est connectée sur des projets, donc direction de projet, fonctionnel, DBA, technique, enfin, tout ce qui fait un projet avec nos clients. En termes de projet, on travaille sur du cloud, mais on travaille également sur de l'IR12. En termes de projet cloud, je pourrais vous citer Conforama, parce que c'est moi qui l'ai mené, où on a mis en place la partie procurement, finance procurement achat. On travaille également chez Orange, chez OBS. Sur la partie business suite, on a des clients dans le domaine de la banque, comme Amundi ou la Caisse de dépôt, ou encore je pourrais vous citer Naval Group sur un fort modèle, Naval Group international en Australie pour la mise en place de ce fort modèle en Australie à Adélaïde. Voilà, entre autres de projets. Et on couvre donc la partie MOA, puisqu'on a un accompagnement de nos clients, bien sûr, pendant nos projets sur la partie métier, partie archi et database, donc partie DBA pour la partie AVO, bien entendu, et toute architecture technique pour nos projets. On fait de l'intégration du développement, bien entendu, et on travaille principalement avec des consultants région Paris, mais également Chambre, je le disais tout à l'heure. Expertise sur les deux techniques EBS et Cloud et toute la partie middleware avec tout ce qui est savoir, web logique et tout ce qui est autour de ces technologies. Voilà, je n'ai pas voulu faire trop long sur la présentation de talent, mais au moins vous donner des précisions sur qui on était et ce qu'on faisait. Maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et pour commencer, travailler sur. Puisqu'on parle de migration technique, de ce qu'est une migration technique et quel type de migration technique on peut envisager. Il existe deux types de migration technique aujourd'hui, une migration fonctionnelle, pardon, aujourd'hui. On a une migration technique, qui est une migration qui consiste à passer des scripts de migration à travers des patchs, et puis on a une migration en fresh install, qui permet directement, à partir d'un environnement qui est nouvel environnement créé, hein, travailler en mode fresh install, donc de refaire un paramétrage complet. Ces deux types de migration sont très différents, puisqu'il y en a une, la migration technique, elle est plus axée sur la partie de business suite, et donc on passe des patchs avec une méthode qui consiste en fait à aller assez vite, effectivement, dans ces passages de patchs, mais vous n'allez pas avoir la possibilité de changer vos paramétrages structurants. Comme vous allez prendre une base en version 11 qui passe en version 12 sur la partie EBS, vous passez vos patchs et puis vous vous retrouvez en R12. Et donc, les paramétrages structurants que vous aviez en 11, je prends la clé comptable par exemple, vous la retrouvez en 12. Et puis, vous n'avez pas la possibilité de faire du ménage dans la reprise de données. On parlera beaucoup de reprise de données avec Victor tout à l'heure, mais il faut savoir que là, évidemment, toutes les datas qui étaient dans votre base en R11, par exemple, vont se retrouver, bien sûr, dans la base qui est migrée, sans possibilité de faire du cleansing. Alors, bien sûr, vous pouvez faire du cleansing en amont, hein, sur la base que vous allez migrer, mais en tout cas, tout ce qui était sur la base ancienne, la base source, vous allez devoir la retrouver. Et puis vous avez le mode fresh install, où là vous allez vraiment avoir une nouvelle version et pouvoir retravailler sur quelque chose de propre et net, avec une reprise du paramétrage et des données que vous allez refaire à la main. Vous allez vraiment avoir la main sur une nouvelle clé comptable, sur de nouvelles catégories d'achat, que sais-je encore. Et au niveau de vos données, vous allez pouvoir bien sûr reprendre les données sur un périmètre que vous aurez choisi. C'est vous qui allez choisir ce périmètre, bien évidemment, et vous aurez la possibilité de reprendre toute partie de votre historique. J'ai noté en bas que sur ces deux scénarios, l'effort de portage spécifique est le même. Là on parle bien dans la partie haute du tableau des différences des deux méthodes qui portent principalement sur le paramétrage et la reprise de données. Mais si jamais vous avez des spécifiques à migrer d'un environnement à l'autre, cette migration et l'effort de portage de script.
Ensuite, alors c'est pas des, j'ai revu mes slides, c'est pas des sens interdits, c'est des moins, c'est des plus, c'est des moins ici. J'ai essayé, encore une fois en termes d'introduction, parce que je vais passer assez vite, de vous faire un comparatif des migrations, tant sur la thème migration technique, passage de patch, comme votre fresh install. Sur 5 points, tout d'abord sur les apports fonctionnels en migration technique, on a la possibilité de définir de nouvelles, on a moins la possibilité, pardon, de modifier le paramétrage existant et en particulier d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. Je parlais ici de nouveaux livres comptables et des achats multi-opérations uniques. On prend encore une fois une version et on la copie sur un autre. Alors qu'en fresh install, on peut ajouter une nouvelle fonctionnalité structurante, avoir une nouvelle clé comptable et avoir une reprise de données adéquate. Je vais en parler tout à l'heure. Sur les référentiels maîtres, eh bien là, on n'y touche pas sur la partie migration technique et on a la possibilité de modifier ces référentiels maîtres, comme la clé par exemple, en mode fresh, puisqu'on repart vraiment de quelque chose qui est complètement nouveau. Le portage des SP, on est à l'identique, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la migration technique de fresh. Sur la prise de données, la migration technique conserve tout l'historique pour tenir une migration technique en mode passage de patch, alors qu'on a la possibilité de faire une reprise, exactement comme on le souhaite, avec une reprise des encours ou des ouvertures, si on le souhaite, sur la partie fresh install. Et sur la purge de données, on conserve tout l'historique des données sur un projet qui est purgé et on fait une reprise partielle sur la partie fresh install. Est-ce qu'il y a des questions peut-être qui arrivent, Hélène ? Je ne sais pas. Oh, je remets l'audio. Oui, tout à fait. On nous demandait juste si on pouvait avoir... Si on pouvait fournir les slides après la présentation, donc j'allais répondre oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. On les mettra sur le site. Donc, ceci, je l'ai fait assez vite et je vous en parle assez vite, puisque c'était vraiment une présentation assez globale et générique de ce qu'est une migration fonctionnelle et comment on va en parler aujourd'hui. On va surtout s'attacher sur la partie fresh install aujourd'hui. La partie migration technique, vous le voyez, hein, pour ceux qui l'ont déjà fait, donc on a un environnement, on passe des patchs, on migre, et après on fait des tests de non-régression pour voir si tout fonctionne bien. Voilà. Et éventuellement, on regarde ce qu'on peut ajouter comme nouvelle fonctionnalité. En fresh, on a bien un nouvel environnement, un nouvel environnement de test, tous les environnements que vous avez avec, hein, test, dev, et tout ce que vous pouvez avoir sur UAT, intégration, pré-prod, prod. Et là, on commence avec un environnement, et cet environnement, il est bâti, au fur et à mesure des ateliers, il est construit, et on bâtit une nouvelle solution, avec une reprise de données d'un côté sur la partie fresh install, c'est pour ça qu'on vous parlera d'outils tout à l'heure avec Victor, etc. Alors qu'en migration technique, on intègre la reprise de données, vous l'avez dit. Donc là, la présentation s'attache aux bonnes pratiques de migration fonctionnelle en mode fresh. Là, je vais prendre un peu plus de temps sur la partie projet, mais surtout sur les bonnes pratiques, surtout sur un slide que je vais travailler. Le slide est assez fourni, vous le verrez, mais ça permettrait d'avoir des échanges sur ces bonnes pratiques et sur l'innovation fonctionnelle. Ici, pour rester dans le détail, des grandes phases projet de migration fonctionnelle, on retrouve, si jamais je schématise, quatre grandes phases projet sur un projet d'intégration, qui est le design, la réalisation, les tests et puis le go live. On retrouvera ensuite les bonnes pratiques par phase. Hein. C'est pour ça que je vous ai fait un rappel de ces phases projet. Donc sur la partie design, on fait des ateliers bien sûr pour créer la solution. On va bâtir un prototype de la solution, on va le faire valider par le métier. On verra tout à l'heure qu'en termes de bonnes pratiques, on est vraiment là dans la validation du métier. On est vraiment dans la création d'un proto. C'est la synthèse que je vous ferai tout à l'heure. En fait, c'est très important de pouvoir travailler avec le métier, bien sûr, que le métier soit représenté, mais surtout de lui faire valider pour qu'en cours de route, le métier ne change pas d'avis et qu'on ne dise pas que ce qu'on est en train de bâtir ne correspond pas à ce qu'il souhaite. On définit le plus tôt possible la stratégie de prise de données, donc ça aussi c'est important.
c'est là qu'on va définir bah, si on reprend des données vivantes ou si on reprend l'ensemble des données, quel est le périmètre, est-ce qu'on prend donc que les données ouvertes et sur quelle période on reprend ces données. Et puis on va valider des processus métiers cibles. Donc là, on travaille vraiment sur des processus métiers qui sont en adéquation avec l'outil. Une fois qu'on a fait le design, on fait valider la phase de cette conception détaillée pour que l'utilisateur soit tout à fait au courant de la solution qui soit mise en œuvre. On participe avec lui à cette participation. Et ensuite, en réalisation, une fois qu'on a fait les specs fonctionnels, on peut développer les consultants, les composants spécifiques de type état interface. On développe les outils de reprise de données ou on utilise des outils du marché, on nous en parlera tout à l'heure. On déroule des reprises à blanc. Alors, on fait généralement au moins deux reprises à blanc pour tester ces reprises de données avant la reprise en pré-prod et en prod. Et surtout, on fait valider les résultats de cette reprise à blanc puisqu'il faut que les utilisateurs vérifient que les éléments repris correspondent bien à ce qu'ils attendent et à la manière dont ils puissent ensuite retrouver une restitution de données reprises. Sur la partie test, on déroule deux types de tests, des tests d'intégration, qui sont des tests de sa cuisine, hein, tests d'intégration du standard, mais tests d'intégration aussi des interfaces. Si on est en demi-interface, on travaille en collaboration directe avec les personnes qui ont fait l'autre demi-interface. Donc, demi-interface, si jamais en interface entrante, hein, donc, on entre de l'information dans l'ERP. Donc, demi-interface veut dire que côté client, vous fournissez les données, vous faites de l'extraction, vous faites du mapping de ces données pour qu'elles puissent rentrer dans Oracle et l'intégrateur rentre ces données dans le système. Et en sortant, c'est donc l'intégrateur qui fait l'extraction, qui le met souvent sur un serveur, alors, au format attendu du client ou pas, et puis c'est au client d'intégrer les données. Une interface complète veut donc dire que c'est l'intégrateur qui fait et l'extraction et l'intégration, ou l'intégration et l'extraction dans l'autre sens, des données qui seront intégrées. Et puis ensuite, en forme de test, on a également les UAT, donc les tests utilisateurs métiers de la solution, où l'on déroule tout. C'est vraiment le métier du client qui pilote ces tests, on implique bien les utilisateurs, bien évidemment, sur l'ensemble du processus à tester et on fait bien valider avec un PV ces tests. Sur le Go Live, on a principaux objectifs sur cette phase qui est de préparer les étapes de la bascule en prod, de faire une bascule à blanc souvent sur sa globalité, souvent sur un environnement de pré-prod, qui va inclure la répétition de la reprise de données. Donc, quand on dit bascule à blanc, c'est bien complet, hein, global. On fait comme si on avait switché de système. On paramètre la base de production et on déroule la reprise de données en prod avec les contrôles et les contrôles des utilisateurs et des PV. Voilà. Maintenant, les bonnes pratiques, puisqu'on est là pour ça et pour échanger sur ces bonnes pratiques, sur un projet. Sur les quatre phases dont je viens de vous parler. Commençons par le design. Le premier point, c'est repenser les processus clés ainsi que les référentiels maîtres. Je vous le disais tout à l'heure, quand on est sur un mode fresh install, on a la possibilité de revoir la solution. Souvent, on a une migration qui est faite après 10, 15 ans. Le temps a passé, l'entreprise a évolué, les personnes sont peut-être aussi plus les mêmes. Et l'entreprise a vraiment évolué dans le temps et dans sa manière de fonctionner. Et donc, il est important de se reposer des bonnes questions sur est-ce que ces processus clés doivent être revus ou pas, comment ils doivent être mis en place. Et pour travailler sur ces processus clés, on revoit souvent, ou pas d'ailleurs, les référentiels maîtres. Alors, référentiel maître, vous connaissez tous évidemment la clé comptable, c'est le référentiel dont on parle, mais il y en a d'autres évidemment dans Oracle. Hein. Si je parle de la clé comptable, est-ce qu'on doit rajouter des segments complémentaires? Est-ce que la clé comptable n'est pas complètement, était pas complètement utilisée aujourd'hui? Ou est-ce qu'il manquait des segments de la clé aujourd'hui? Donc, en mode fraîche, on a la possibilité de le faire et c'est vraiment important de le faire. Le deuxième point sur la partie design, ça semble évident, mais il faut investir les utilisateurs clés et les impliquer pendant l'ensemble du projet et particulièrement sur la phase de design. Il ne faut pas oublier personne, il ne faut pas oublier bien sûr
certains domaines métiers et surtout les impliquer et les faire venir pendant ces ateliers. Quand je dis faire venir, c'est aussi laisser du temps aux utilisateurs clés pour qu'ils participent au projet. Souvent, ce qu'on dit sur un projet, c'est que les utilisateurs clés, ils sont au minimum à mi-temps sur le projet. Et on sait très bien que sur les phases de design et les phases de test, les phases de réel un peu moins, bien entendu. Et sur ces phases clés, qui sont les phases de design, test ou reprise de données, ils sont extrêmement présents. Et une design, quand on a 30-40 ateliers à faire sur 3-4 mois, il est évident que les utilisateurs sont très présents pour être avec nous, pour préparer ces ateliers, mais aussi pour discuter de la solution et puis au final valider la solution, puisque le troisième point, c'est bien évidemment faire participer les utilisateurs et travailler en co-construction sur la validation de la solution. Et pour travailler en co-construction, ce qu'on préconise bien sûr maintenant, c'est un prototype itératif qui permet d'éviter un effet tunnel et puis de valider les processus au fil de l'eau. On commence toujours par les éléments structurants et puis après on tire le fil jusqu'à avoir en fin de conception une solution globale avec un dossier de conception qui soit complet, qui soit validé. En phase de design, on établit une stratégie de reprise de données, je le disais tout à l'heure, donc avec une reprise des mouvements ouverts de toute partie, avec toute partie de l'historique, et surtout on la fait valider au key user, on la fait valider à la DAF, pour être sûr que cette reprise de données soit bien partagée, validée par tous, puisqu'une fois qu'on est rentré dans ce sujet, c'est un peu tard au milieu du projet pour revoir la stratégie de reprise. On n'oublie pas aussi également, et ça c'est une des bonnes pratiques que je voulais mettre en exergue, de bâtir des outils de réconciliation de cette reprise de données. Donc outils de réconciliation fonctionnels, j'entends, hein, bien vérifier que ce que vous aviez sur la source correspond bien à la cible. Imaginez que vous changez de clé comptable, à un moment donné, forcément les soldes que vous allez avoir sur votre clé comptable en R11, si vous changez de clé comptable en version 12, ne va pas être forcément la même. Et donc, il va falloir créer probablement des macros ou utiliser des outils, hein, bien sûr, si vous avez à créer ces outils, et c'est toute leur force pour faire ces réconciliations et vous aider. Bien entendu, sur la reprise de données, l'autre point, je ne l'ai pas mis ici, je ne l'ai plus en dessous, c'est de faire du nettoyage de vos données au plus tôt, c'est-à-dire dès le tout début du projet, donc sur le système source, bien nettoyer vos données, vous mettre d'accord sur ce que vous allez reprendre et ce que vous n'allez pas reprendre. Bien évidemment, tout ce qui est ancien fournisseur, par exemple, sur lequel vous n'avez pas eu de mouvement depuis le début, vous pouvez éventuellement faire... et désactiver ses fournisseurs ou ses clients. Même chose pour les factures, il faut vraiment faire du nettoyage pour faire en sorte que ce qui soit repris ensuite dans le système cible corresponde bien à ce que vous souhaitez sans avoir à reprendre les anciennes datas. Aussi sur la partie cleansing de données, ce qui est intéressant souvent, c'est de bien être sûr des réconciliations comptables et financières du système source. Moi, j'ai vécu des projets où sur le système cible, une fois qu'on faisait les premières réconciliations des données reprises sur la cible, hein, on avait des écarts et puis on se rendait compte en fait que les écarts n'étaient pas des écarts de reprise de données, mais qu'étaient des écarts sur le système source qui, lui, n'était pas complètement cadré. Donc, il faut bien s'assurer que la comptabilité soit bien cadrée sur la source. Normalement, si on fait, comme c'est souvent le cas, une clôture mensuelle, on le fait et on s'assure que tout est fait correctement. Mais en tout cas, il faut bien s'en assurer pour que ce qu'on reprenne ensuite sur la source corresponde bien à ce qui a été, sur la cible, pardon, corresponde bien à ce qui a été fait sur la source. Ça va jusque-là, je n'ai pas de questions, Hélène, sur la partie design. Non, pour l'instant, pas de questions. Bon, ça doit être clair, en tout cas, je l'espère. N'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez des précisions, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Maintenant, sur la partie réelle, ce qui est fait généralement au tout début de projet, en tout cas sur la partie début de réalisation, c'est de faire une revue des spécifiques existants et pour faire une analyse technique d'un éventuel changement de code à effectuer. Donc là, on parle bien de spé qui est migré. Alors, je vous disais tout à l'heure que si on était en migration technique ou une migration en fraîche, on avait le même travail sur les spé, puisqu'il fallait les porter d'une version à une autre.
On a donc la possibilité de faire des revues de ces spécifiques. Je vous parlerai même d'outils en fin de présentation qui peuvent vous aider à faire ces revues, hein, ces revues techniques. Mais on a bien une revue de SPE. Alors, ce spécifique-là, est-ce qu'on le garde ou pas? Est-ce qu'il est utilisé? Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'on doit le migrer? Ça, c'est le premier travail qu'on doit faire, même au niveau du RFP. Normalement, la liste des spécifiques, elle est déjà connue au niveau du RFP pendant cette migration. Mais on a aussi également le devoir de faire une analyse technique du changement de code. On sait très bien que si on passe sur du fresh install, on va avoir des codes structurants qui vont changer, des ID qui vont changer. Et ça, ça a une vraie incidence sur les spécifiques. Souvent, le responsable technique, client côté DLC avec le responsable technique de l'intégrateur, font cette revue ensemble pour vérifier quelle est la marche, ce qu'il faut faire et quelle est la marche à monter pour faire ces changements d'analyse technique. Donc cette revue est importante et il faut la faire en tout début de projet. On a également une revue des flux cibles qui sont à faire au niveau technique. Pourquoi? Pour pouvoir repérer rapidement les systèmes à décommissionner qui sont dus à cette nouvelle roadmap cible. Ce semble évident, mais évidemment, ça fait partie de ce qu'on fait dès le départ sur le projet en termes de réalisation et de technique. Au niveau de la réalisation, on a la partie technique, interface, composant, mais on a également le paramétrage. Et donc, on doit impliquer les utilisateurs dans les phases de paramétrage. Pourquoi on utilise Pourquoi on implique les utilisateurs? C'est tout simplement qu'on va, nous, en tant qu'intégrateurs, se tourner vers l'utilisateur clé pour savoir quel paramétrage ils veulent insérer dans l'outil. Voilà. Ce n'est pas souvent des copier-coller de ce qui est fait, ça peut arriver, vous avez forcément les mêmes modes de règlement, souvent les mêmes conditions de règlement, mais quelquefois, vous avez une solution qui, d'un passage de version à une autre et d'une migration à une autre, fait que vous avez des données qui composent le système qui est différent. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, en tant qu'intégrateurs, on se doit d'initier des fichiers de paramétrage. Ces fichiers de paramétrage permettent de charger automatiquement, via des fichiers FBDI, si on est sur du cloud, de la donnée de paramétrage, ou des chargements via des imports spécifiques, ou des loaders, si jamais on est en R2. Donc, souvent, on a de nombreux allers-retours entre les intégrateurs et les clients pour connaître ce paramétrage. Le paramétrage, ça va jusqu'aux valeurs de la clé, hein, des niveaux d'amont, on commence par là, mais ça va sur toutes les composantes du paramétrage. Donc on applique bien les key users, on travaille avec vous. Quand je dis key users, c'est aussi les gens de la DSI hein, qui travaillent sur cette phase. Il est important que cette phase mobilise tout le monde pour que vous ayez ensuite un système qui soit paramétré exactement avec les données que vous souhaitez, avoir dans votre système cible. Et on anticipe au plus tôt les tâches de reprise de données. Je savais bien que je l'avais mis quelque part. Il est là. Donc, on fait des reprises à blanc. On nettoie les données cibles et on fait du mapping. Et on n'oublie surtout pas, bien sûr, les reprises à blanc, plus tôt. Alors, dans les reprises à blanc, l'après-coup, c'est toujours la même. Hein. Vous avez une première reprise à blanc qui est faite pour tester les composants. Si on est sur des composants spécifiques, hein, Victor vous parlera des composants utilisés tout à l'heure avec Sophia. Donc, on a une première reprise à blanc pour vérifier que le composant fonctionne. Et là, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'on arrive à rentrer une vingtaine de pourcents des data dans le système cible. On vérifie bien que l'import-export fonctionne. Et puis on en a une deuxième. Souvent, c'est fait avant l'intégration pour pouvoir faire des tests d'intégration sur des données reprises, où là, il nous faut 70% des données reprises. Donc là, on a des programmes qui fonctionnent, on a des données qui passent, et c'est à ce moment-là qu'on peut faire véritablement une réconciliation fonctionnelle avec le client. Et puis, on fait souvent une troisième reprise de données avant les UAT pour que là, vraiment, on ait 95% des données qui passent et qu'on puisse avoir des UAT qui sont faites sur des données qui seront des données cibles. En cas de base de pré-prod, c'est souvent le cas pour les gros projets, on a une dernière reprise de données qui fait partie de la reprise à blanc globale. Hein, c'est une des étapes de la reprise à blanc. On le verra quand on parlera de la phase 4 sur la mise en production, qui permet de l'adjouer l'ensemble de la reprise de données, où on prend des chronos et on effectue cette reprise de données dans vraiment la situation de la reprise en cours. Voilà. Voilà pour la partie réelle. Pas de questions, Hélène, questions? Je vais une pause à chaque phase, hein, comme ça je prends mon temps. Non, je n'ai pas de questions, Christophe. Et je m'hydrate en même temps. Les tests maintenant, la phase 3, quelles bonnes pratiques sur les tests? On construit au fil de l'eau des scénarios de tests d'intégration.
souvent, on se dit qu'on prend du temps pour les faire, ces scénarios de test d'intégration, mais on est toujours pressé par le temps sur un projet, ça vous savez aussi bien que moi. Et donc, on ne prend pas assez de temps pour les faire. Je pense que ces tests et ces scénarios d'intégration, il faut les faire avec le client, avec la DSI et avec l'intégrateur, pour savoir ce qu'on peut tester et surtout à quelle fréquence on peut tester. Pour moi, construire des scénarios de test veut dire faire un planning de test d'intégration. Planning de test d'intégration en fonction de quand les demi-interfaces seront terminées, finalisées des deux côtés. Donc, on met en place un planning pour se dire bah, l'interface fournisseur en ligne, elle est faite côté client et elle se termine au tout début de la phase de réalisation. Bah, nous, côté intégrateur, on va faire en sorte que la deuxième partie de l'interface elle se fasse au même moment pour qu'on puisse le tester sur un planning qui soit un planning qui tient la route. Et donc, on construit ce planning, mais également les scénarios des tests d'intégration entre les équipes clients côté DSI et puis l'intégration. Donc, ça veut dire travailler avec les équipes DSI clients sur le travail des demi-interfaces, mais également sur ces tests, travailler sur les tests d'intégration et aller jusque, bien sûr, le travail sur les données qui sont jouées avec ces interfaces, c'est-à-dire prendre les données fournisseurs, clients, factures, tout ce que vous connaissez en termes de données qui peut être interfacées dans un projet d'intégration, et les faire jouer par le client, c'est-à-dire travailler sur le processus pour vérifier que les données fonctionnent, qu'on puisse bien ouvrir les panneaux, tout fonctionne correctement. Sur les UAT maintenant, puisque on parle de ces UAT, ce que je mettais en préconisation, c'est prévoir une assistance de l'intégrateur, d'une maîtrise d'ouvrage, comme vous voulez, pendant cette phase UAT, avec une première formation, qui est une formation des recetteurs avec un S pendant la phase des tests métiers. Alors, bien évidemment, les utilisateurs clés, avant la phase de design ou pendant la phase de design, sont formés. À différentes écoles, on a des formations qui sont faites suivant les clients au tout début du projet pour que les clients soient formés et une formation globale de l'outil. Quelquefois, on a des clients qui nous disent pendant le design, on va se former avec vous quand vous allez nous présenter les outils. Et il ne faut pas oublier que pendant la phase de test, les recetteurs qui ne sont peut-être pas forcément les utilisateurs clés, parce que là on est vraiment dans le métier et dans le dur, c'est-à-dire des utilisateurs qui sont au plus près du métier au quotidien, c'est-à-dire des gens qui font des règlements, qui font des factures, et pas seulement un responsable comptable, va devoir être formé en tant que recetteur en cette phase métier. Prévoyez bien une assistance. Je ne crois jamais quand un client me dit en phase du AT, on va se débrouiller tout seul, on n'aura pas d'assistance, parce que ce n'est pas évident. Même si le client a construit son planning de test du AT, il faut bien prévoir de l'assistance pour que l'utilisateur puisse se connecter correctement et puisse faire ses différents tests dans l'outil. Donc ne négligez pas la partie maîtrise d'ouvrage. Je pourrais vous dire aussi tout le long du projet, ne négligez pas également la phase de change management qui est très importante sur toutes les phases du projet. Dernier point, anticiper les tests métiers, probablement avant les UAT. Moi, c'est ce que j'appelle des pré-tests pour les UAT. Souvent, dans nos planning projet, on a une phase de test d'intégration, et puis on a une phase UAT, et puis on fait venir les utilisateurs à l'instant T avec un planning, un test UAT qui est fait par le responsable fonctionnel, le responsable client côté métier. Et on ne prévoit pas forcément de faire des pré-tests en UAT. Si jamais il y a certains flux qui sont prêts, autant dégager, si je puis dire, le planning des UAT et puis faire des tests en avance de phase. Ça peut être, par exemple, ne serait-ce que des référentiels. Moi, chez Conforama, j'avais préconisé cette méthode et on avait travaillé sur les référentiels fournisseurs, par exemple, et sur toutes les phases amont du processus. Si jamais vous êtes prêt pour faire des DA, vous prenez des utilisateurs clés pour faire des demandes d'achat et puis vous commencez avant les UAT à y préparer vos utilisateurs. Même chose pour les factures, pour les commandes et surtout les flux. On n'attend pas que les UAT soient prêts pour tout finaliser. Hélène, il y a des questions. J'ai vu deux questions. Et je ne t'entends plus, tu es en mute. Tout à fait. oui. Alors, il y a Renaud qui nous pose une question, qui dit « Bonjour, où se situe l'itération dans ces quatre phases pour éviter l'effet tunnel ?»
Ah, éviter l'effet tunnel, j'en ai parlé tout à l'heure sur la partie design, ici. C'est-à-dire que pour moi, l'effet tunnel, il vient du fait que les utilisateurs ne voient pas la solution. Ce que moi, je préconise toujours, c'est de travailler pendant la phase de design, en co-construction avec les utilisateurs, d'un proto complètement itératif, hein, si votre phase dure 3-4 mois, vous travaillez avec vos utilisateurs, vous présentez en différentes phases, hein, on appelait ça des CRP dans le temps, je pense qu'on continue à les appeler CRP, c'est-à-dire les conférences room pilote, où on présente un premier flux, je prends le flux P2P par exemple, DA commande, vous commencez à présenter les DA, la transformation de la DA en commande, et puis vous allez au fur et à mesure de vos ateliers, peut-être 2 itérations, 3 itérations, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la validation de votre commande ou de votre DA pour présenter à vos utilisateurs l'ensemble de la chaîne de la solution. Et pour éviter l'effet tunnel, ce qui est souvent fait en tout dernier CRP, quand évidemment c'est prévu dans la phase projet, c'est de prévoir une journée, 2 journées de présentation globale de la solution sur les flux métiers cibles, présentation de ces flux métiers et puis ce qu'ils deviennent dans la solution. Ça permet de valider le dossier de conception détaillé et là, vous êtes sûr d'éviter l'effet tunnel puisque vous avez les utilisateurs qui sont complètement au fait de la solution. Et deuxième point pour être précis sur l'effet tunnel, on n'oublie pas le change management qui permet de donner de l'information aux utilisateurs pendant toute la durée du projet. Alors là, je parle plus, non pas forcément des utilisateurs clés, ceux qui participent aux ateliers tous les jours, mais à ceux qui vont utiliser la solution au quotidien demain. Ça peut être chez le client, je sais pas, souvent ce que j'ai vu en termes de change, ce sont des newsletters qui sont faits tous les mois, tous les 2 mois sur le projet. Ou ça peut être simplement des key users qui entretiennent des relations sur le projet avec les utilisateurs, quitte à leur montrer quelques copies d'écran et quelques flux métiers et pourquoi pas une partie de l'ERP pendant le projet. Ça se voit. Tu as raison, Christophe, c'est un vrai sujet, le change management, et ce n'est pas forcément que de la communication ou de la formation. Et en effet, je pense que sur tous les projets, ça doit être une grosse activité projet. Et d'ailleurs, je pense qu'on en fera un sujet pour un prochain webinaire avec le fond. C'est extrêmement important. Voilà. Le change, vous savez certainement, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste, hein, puisqu'on a des équipes qui sont dédiées. Nous, chez nous, chez Talent Consulting, on a des équipes dédiées. Et donc, ce n'est pas simplement faire de la formation, c'est-à-dire ce qu'est l'intégrateur, généralement, c'est bien plus vaste. Voilà. Et ça permet vraiment d'embarquer tout le monde. On en parlera une prochaine fois. Je pense que je ne veux pas te bousculer, Christophe. Non, pas du tout. Pas du tout. Il va falloir qu'on accélère un petit peu. Je passe à la mise en production. Et on en fera un vrai webinaire. Ce sera très intéressant. Très bien. Donc, je pense avoir répondu sur l'effet tunnel. En tout cas, j'espère. Tout à fait. Et sur la partie mise en production, la dernière phase, donc on prévoit bien un chronogramme de mettre détaillé. On le joue avant la mettre sur un environnement de pré-production dans les conditions de la prod. Donc, vraiment un chronogramme détaillé et vraiment on joue toutes les phases. Hein, pas seulement la reprise de données. Excuse-moi de te couper encore une fois. Donc, il disait merci Christophe, la part de Renaud toujours. Donc, pas d'itération dans les phases de réalisation et de test. Bah, les itérations, tout dépend de ce qu'on appelle itération. Si on parle de design, le design, normalement, il est câblé au moment de la fin de phase de design. L'itération, elle est faite là sur la partie réalisation, souvent. Sur la partie du setup pour vérifier que le setup correspond bien puisque vous allez avoir des bases hein, qui vont être à votre disposition et puis sur les spécifiques il peut y avoir des itérations. Alors là moi j'ai pas parlé de méthode agile mais il est évident que si les spécifiques ou les bouts spécifiques sont prêts on peut travailler sur des itérations. Exactement, je pense que ça va dépendre aussi des méthodes projet de chaque entreprise et de la façon dont elle souhaite gérer son projet et en effet ça peut être par itération entre les phases de conception, de développement et de test par petits bouts, par sprint oui, par zoom sur certaines fonctionnalités ou certaines données ou en effet ça peut être des phases qui sont très indépendantes les unes des autres et en effet tout ça dépend de la méthode projet. Là j'ai fait, voilà, vous l'avez vu, c'est bon, c'est clair.
Là, j'ai fait des phases de cycle en V pour que ce soit clair pour tout le monde, mais bien sûr, si on travaille sur des sprints, on a quelque chose qui est plus global. Sur la mise en production, pour finir, puisque je vois que mon temps est quasi fini, on prévoit bien sur la partie prod de prévoir un chronogramme de mettre pour la mettre sur les environnements très prod. Donc là, on est vraiment au niveau global. Hein. Bascule vraiment global, c'est très important. Et sur la partie reprise de données, on effectue bien les chronos avec un S également pour pouvoir faire toutes ces étapes et pour vérifier qu'on prod, bien sûr, que ça tienne dans le timing de la reprise. Mais bien à disposition des profils expérimentés pour cette mise en production et on fait bien valider évidemment la reprise de données en production par les utilisateurs. Les facteurs clés du succès en synthèse d'une migration fonctionnelle, on implique les utilisateurs clés, j'en ai beaucoup parlé, on fait valider la solution à travers un proto complet exhaustif. On est bien en respect du standard de l'ERP dans la réduction des spécifiques. On est toujours, on le dit toujours, mais il faut bien challenger les spécifiques. Alors, on dit à l'intégrateur challenger les spécifiques, mais le client aussi doit nous aider pour porter la bonne parole auprès des utilisateurs. Donc, tout ça, bien sûr, pour diminuer les coûts et assurer la maîtrise technique. Pour acter toutes les phases du projet, en particulier en design, on a une gouvernance forte, c'est très important pour garantir des décisions rapides. En design, souvent, moi j'aime bien avoir des comités de pilotage, même tous les 15 jours, hein, pour pouvoir être vraiment au plus près des sponsors et pour respecter les plannings et les engagements, c'est important. On anticipe les charges de reprise et on va outiller cette phase de reprise de données qui est critique et ça permettra de passer la main à Victor dans 5 minutes. On prévoit une bascule à blanc complète et on intègre tout le monde sur cette bascule. Et on prévoit une conduite du changement, je viens d'en parler. Juste pour finir et faire justement une introduction pour Softa, il existe des outils pour vous aider dans les migrations de reprise de données. Oracle, vous avez parlé de sa méthode SOAR pour passer d'un Oracle Business Suite vers l'Oracle Cloud. Donc ça avait fait l'objet d'une présentation à l'OFO particulière, en tout cas ça existe. Il y a d'autres outils, un outil qui s'appelle le Config Snapshot qui permet de copier du paramétrage d'un environnement à un autre, donc d'avoir des loaders et d'avoir une orchestration de ces paramétrages qui soit fait, outil qui va jusqu'à la rédaction du dossier de paramétrage, mais qui permet aussi de faire un audit technique des composants. Et puis, l'outil qui va vous être présenté par Victor, Softa, qui permet de faire de la reprise de données automatisée, mais pas que. Mais comme ce n'est pas moi qui est expert de Softa, je vais laisser la parole à Vic Tartar qui va vous expliquer la méthodologie Softa, les outils Softa. On peut peut-être prendre une ou deux questions s'il y en a avant que je laisse la parole à Victor, à Hélène. Non, pas de nouvelles questions. Très bien, je vous remercie. Merci Christophe. Et je laisse la parole à Victor. Victor, il faudra réactiver votre micro. Victor, le micro. Vous m'entendez? Yes. Oui, ça y est. Ah, bien. Bon, on va commencer par nous présenter. Donc, moi, je suis Victor Tard, responsable de la société, et je vais vous faire la présentation de notre société et de nos produits. J'en ferai une partie, et c'est Bertrand Cuvillier, notre directeur du développement, qui prendra la suite. Donc, pas beaucoup de slides pour vous présenter la société Softa Conseil. Il y en a pas mal qui nous connaissent déjà. Tu peux passer le slide suivant, merci. Donc, clairement, nous sommes une société dont l'activité s'articule exclusivement autour d'Oracle Business Suite et maintenant du cloud. On dispose d'une double compétence qui fait un peu notre singularité,
c'est que nous sommes à la fois intégrateurs, puisqu'on le fait maintenant depuis presque 30 ans, et puis également éditeurs, puisqu'on a profité de l'expertise qu'on avait acquise pour développer des produits venant pallier soit des lacunes, soit apporter du complément ou en tout cas un meilleur confort pour les utilisateurs. Donc c'est une double culture que l'on a aujourd'hui. Alors quelques chiffres clés, très rapidement, sont des chiffres auxquels on tient, enfin, certains en tout cas qui sont importants pour nous, de dire que sur tout ce qui est reprise de système, projet de migration, on a à ce jour zéro litige, il n'y a pas un projet qu'on a abandonné, il n'y a pas un projet qu'on n'a pas mis en production. Je ne dis pas que tout a toujours été facile, mais en tout cas, on a zéro litige aujourd'hui. Pour parler vulgairement, on n'a aucun cadavre dans les placards. Et puis enfin, un chiffre intéressant également pour nous, c'est qu'on investit quand même 20% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. On est indépendant, on est tout seul, il n'y a pas de banque derrière nous. Et c'est Bertrand et moi qui détenons la totalité de la société. Voilà pour ces quelques chiffres. Alors, comme je vous le disais, donc deux métiers intégrateurs, je ne vais pas insister là-dessus. On est intégrateur comme d'autres, et là, nous sommes assez nombreux sur ce créneau aujourd'hui. Par contre, je vais vous parler un peu plus de notre métier d'éditeur. Ça frise, hein? Produits. Ces quatre produits. Comment? J'ai des coupures de son. Oui. Et bon, vous m'entendez? Oui, mais parfois avec des coupures. Oui, oui. Bon, donc je continue. Je vous disais qu'on avait développé quatre produits. Ces quatre produits, il y en a trois qui fonctionnent sur l'offre Oracle Business Suite. Et il y en a un quatrième qui fonctionne maintenant sur le cloud. Je vais vous parler de ces quatre produits. Deux de ces produits ne concernent pas la reprise des données, mais concernent, ont des fonctions tout à fait particulières. Ce sont deux produits qui sont des produits plug and play. C'est-à-dire que ce sont des produits qu'on installe directement en produits très intuitifs. Donc, un de ces produits, le premier de ces produits concerne SoftAppLay, produit pour lire le paramétrage. Et ça fait aussi du transfert de paramétrage. En d'autres termes, on peut répliquer du paramétrage d'une base sur une autre. Un exemple, c'est d'une base de test sur une base de production. Mais on peut aussi générer du paramétrage à partir d'un modèle de paramétrage et générer du paramétrage pour d'autres entités. C'est un produit aujourd'hui qui fonctionne en clientèle à la fois sur des projets, mais également en mise en production et sur la production et même sur de la TMA parce que ça simplifie considérablement la tâche des exploitants. Enfin, c'est un produit qui génère un retour sur investissement vraiment, vraiment intéressant. C'est assez impressionnant. Il y a des projets, je cite le projet le plus intéressant pour nous. C'est un projet qui concerne Vinci Énergie, où à la moitié du projet, c'est-à-dire sur 250 entités sur les 500 qui migraient, à la moitié du projet, le client avait déjà identifié 500 jours d'économie. Un peu plus de 500 jours d'économie. Donc, vous voyez, le rapport est vraiment très, très, très intéressant. Il y a même aujourd'hui des intégrateurs qui sollicitent notre produit pour l'embarquer avec eux sur des projets de façon à améliorer à la fois leur projet de migration et puis également d'accélérer la reprise et puis de générer des économies, bien sûr, sur le projet. Bon. Complètement intuitif. Le deuxième produit, SoftAview, alors ça c'est un produit qui est un éditeur de requêtes qui va vous permettre de publier toutes les données que vous souhaitez, faire toutes les interrogations que vous souhaitez,
Là encore, c'est un produit complètement intuitif. C'est un produit dont je me sers. J'ai jamais eu de formation sur ce produit et je m'en sers. C'est un produit qu'on prend en main en 2 heures. Quoi, hein. Tout à fait idéal pour le reporting opérationnel. Et c'est un produit qui, en plus, permet de sortir, de faire des sorties Excel dont les comptables raffolent aujourd'hui. Bien. Sur ces deux produits, Plug and Play, dont je vous ai parlé, là encore un écran pour illustrer un petit peu l'ergonomie. Sur ces deux produits dont je viens de vous parler, que ce soit SoftAplay pour paramétrage ou SoftAview, ce sont des produits aujourd'hui dont on est assez sûr et dont les clients sont assez contents pour qu'aujourd'hui, on se propose carrément de le mettre gracieusement à la disposition de nos clients pendant 3 semaines. On fait le pari que les clients qui prennent notre produit pendant 3 semaines gracieusement, on fait le pari qu'au moins 80% de ces clients chercheront à conserver ces produits. Voilà, donc ça, encore une fois, ce sont des produits plug and play, très faciles à utiliser, et on va maintenant passer sur ce qui concerne vraiment notre cœur de métier, c'est-à-dire la reprise et puis la reconstruction des données de production. J'insiste un petit peu sur ce mot de reconstruction, parce que faire de la reprise de données, bon, tout le monde peut en faire et ça peut être parfois réducteur, même si ça peut être suffisant aussi, bien entendu. Mais l'idée que l'on avait, c'était de se dire qu'un client un DSI qui vous a suivi et qui veut faire un changement de version, faire un changement de version et aller voir son directeur général en ce sens, initier un projet qui va faire 1, 2, 3, 4 millions d'euros. S'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, il faut être courageux pour aller voir sa direction générale dans ces conditions. Donc, ce qu'on s'est dit, il faut absolument que s'il y a une migration, il faut que ça apporte de la valeur. C'est la raison pour laquelle, pour notre part, on ne fait que des projets en flash install et des projets sur lesquels on considère que sur la totalité des projets que l'on fait en flash install, on améliore des choses, on change des choses de manière allégée, de manière light, mais également de manière beaucoup plus sensible, de manière plus fondamentale, puisque vous verrez par la suite qu'on propose beaucoup, beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de choses nouvelles. On va passer au slide suivant. Alors, que ce soit sur... on va parler un petit peu de nos deux produits qui sont SoftAPAC pour la reprise vers la Business Suite et SoftAcloud pour la reprise vers le cloud, dont Bertrand vous dira quelques mots tout à l'heure. Mais dans tous les cas, notre méthodologie de reprise est toujours la même. Déjà, ce que l'on propose, c'est de définir la profondeur de la reprise. C'est un peu simpliste de faire une reprise avec toutes les données de production ou de faire une reprise uniquement avec les items non fermés. C'est d'une part un peu simple et puis d'autre part c'est réducteur, sachant que c'est dans les deux cas des solutions de facilité. Aujourd'hui, rien n'empêche de décider ce qu'elle souhaite en termes de profondeur de reprise. Et nos outils en tout cas s'y prêtent puisque on propose à l'MOA de définir cette profondeur de reprise et à partir de là, bien sûr, on est en capacité de faire la constitution et la validation du cutoff. On passe bien sûr par l'extraction des données. La modification des données, c'est le plus important puisqu'on a un moteur de mapping et il n'y a rien qu'on s'interdise de modifier, que ce soit de manière simple, hein, un fichier source par rapport à un fichier cible, sur des listes de valeurs, sur un changement de plan compte par exemple, mais que ce soit aussi de manière beaucoup plus complexe en intégrant des nouvelles règles de gestion basées sur des algorithmes plus complexes, etc. etc. Hein, ça nous est arrivé de faire du mapping de données à partir de spécifications indiquées par la direction financière sur quelques dizaines de pages de spécifications fonctionnelles. Donc on arrive à intégrer tout ça. Enfin, on génère les fichiers, bien entendu, on injecte et puis on valide la reprise. Ça, c'est le processus tout à fait classique. On n'invente pas grand-chose, mais en tout cas, on se focalise sur ces étapes-là, qui sont des étapes qui,
qui nous conduisent tout au long du projet. Alors, toujours sur la méthodologie de reprise, donc bien entendu, le cadrage, ça c'est le classique, et puis c'est Christophe vous en a dit quelques mots tout à l'heure déjà. Donc le cadrage, on valide l'expression de besoin parce que on propose à la MOA de redéfinir comme ils souhaitent leur système, leur nouveau système. Hein, ça, comme je vous l'ai dit, ça peut être light, ça peut être beaucoup plus complexe. Si c'est plus important, quand nous on dit qu'on valide, on voudrait vérifier au moins que ce qui nous est demandé de faire, on peut le faire, déjà. Hein. À ce jour, on n'a jamais refusé un besoin au motif qu'on ne savait pas le faire. Quand bien même ça devient très 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 complexe, on arrive toujours, puisqu'on a des possibilités de développement à l'intérieur de nos produits, à intégrer les besoins les plus sophistiqués. Donc le cadrage, donc avec bien sûr la validation de l'expression de besoin, la construction de la solution, avec s'il y a lieu bien sûr une customisation de notre produit pour intégrer les spécificités demandées. Derrière, ce que l'on fait, c'est une reprise technique. Quand on dit reprise technique, c'est tester les composants de notre produit qu'on a modifié et les tester sur un faible volume, quoi, une période. C'est largement suffisant. C'est juste pour tester notre solution, le produit fini de notre solution. Voilà. Derrière, on fait une reprise fonctionnelle et là, on l'a fait sur la totalité des données. Et on participe bien sûr, on identifie les écarts et on participe bien sûr à ces écarts en assistance avec les utilisateurs. On travaille en collaboration avec des comptables et pour vous donner un ordre d'idée, dans à peu près dans 80% des projets que l'on fait, on est plus près. On vous perd, Victor. C'est vrai, hein? Il y a des coupures. Ah, ça, vous m'entendez mieux? Ouais. Bon. Enfin, dernière étape, c'est la bascule à blanc avant de faire. Être dans les conditions, parce que le but de la bascule à blanc, c'est de tester un petit peu et se garantir sur la rupture de service. Savoir qu'on va tenir cette mise en production dans un minimum de temps. On ne peut pas annoncer à un client qu'on va le faire en 5 jours si on le fait en 15 jours. Et il y a eu pas mal de soucis là-dessus sur d'autres projets pour qu'on soit très 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 vigilant là-dessus. Voilà. Très rapidement, c'était notre méthodologie de reprise avec la mise en production, bien sûr. Et on va passer maintenant directement. Voilà. Donc, je vais vous parler de SoftApack très rapidement et Bertrand va vous parler de SoftaCloud pour ce qui concerne l'immigration vers le cloud. Donc, SoftApack, c'est un produit qui va faire des reprises totales ou partielle d'environnement Oracle et Business Suite, assignation d'Oracle et Business Suite, mais également de systèmes non Oracle à des assignations d'Oracle et Business Suite. Sur ce schéma, on arrive bien à l'illustrer, vous voyez en haut à gauche, on a des sources qui peuvent être soit de la 11, d'accord, on en a encore, 12, vous avez, on a aussi la possibilité d'avoir des systèmes non Oracle. Donc, ces extracteurs vont récupérer des. Ils vont alimenter notre schéma. Donc, on a notre propre schéma de données. Et c'est sur ce schéma de données que l'on va transformer l'information, qu'on va travailler l'information, la donnée, de façon à l'injecter dans le système cible via les injecteurs que nous aurons développés. Certains sont des injecteurs existants en utilisant les API d'Oracle, d'autres que l'on a développé nous-mêmes. Alors, les fonctionnalités de notre produit, la constitution du cutoff, je vous en ai parlé, avec une reprise totale ou partielle, l'intégration de données non Oracle, les modifications, je vous en ai parlé, on les fait sans aucune limite,
La validation des données, puisque dans CertaPack, nous rejouons tous les traitements et tous les contrôles. Enfin, on a, après injection, une gestion des rejets de recyclage et surtout, on a une piste d'audit que l'on propose à nos clients. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après la mise en production, on laisse en clientèle le schéma dans lequel on a stocké toutes nos données avant injection. Et ça nous permet de pouvoir éventuellement retracer toute la transformation d'une donnée. Imaginez par exemple, je ne sais pas, un changement de plan de compte. Et s'il y a un écart que vous identifiez à un moment donné, ou un petit peu tard, même 2 mois ou 3 mois après, on a toujours la possibilité de retracer tout ça de manière très, très, très détaillée. Alors, la couverture fonctionnelle, on couvre toute la finance, l'administration du système déjà pour commencer, toute la finance, les achats. Donc là, on couvre tout ça à 100%, y compris e-tax, à l'exception de SLA. On ne fait pas SLA, même si on le fait par d'autres outils qui sont abordables comme Dataload, etc. Mais dans notre produit CertaPack, en tout cas, le seul élément qu'on ne reprend pas, c'est SLA. Mais en plus de ce qu'on reprend, on a également une couverture assez, assez importante sur les projets, sur les stocks. De manière générale, et on l'a vu encore récemment avec un de nos clients, on ne s'interdit pas de reprendre des modules plus exotiques, puisque on a acquis un savoir-faire maintenant en termes de reprise, pour nous permettre d'étendre un peu notre expérience sur d'autres champs applicatifs. Là, il y a des modules plus exotiques comme Advanced Pricing, ACS, etc., sur lesquels on intervient aujourd'hui. Alors, ce schéma uniquement pour illustrer tout ce que l'on propose qui n'est pas possible par les upgrades classiques que propose l'éditeur ou que proposent aussi d'autres intégrateurs. Donc, notre solution intègre une reprise totale et à l'identique comme avec un upgrade classique, même si nous, on intègre en plus, bien sûr, une reprise partielle. On propose aussi des fonctions comme la refonte de l'architecture applicative, c'est-à-dire fusionner les entités, splitter les entités. Et c'est aujourd'hui des opérations que l'on fait très, très, très souvent, parce qu'avec tout ce qui est fusion, acquisition, etc., on a beaucoup, beaucoup de projets en ce sens. Modification du paramétrage, on ne s'interdit rien en termes de modification. Et quand on dit, par exemple, nous, que l'on peut modifier la clé comptable, c'est la clé comptable, c'est la structure de la clé comptable, c'est le nombre de segments, c'est la position de segments, c'est les contenus des segments également. On normalise les reprises, on fait d'une part des et puis d'autre part, on va pouvoir reprendre sur référentiel uniquement ceux qui sont activés et ceux qui sont fiables, en fonction de règles qui nous ont bien entendu été énoncées par le client. Et puis, la reprise partielle avec échange de cut-off, ça je vous le dis, mais derrière cette reprise partielle avec échange de cut-off, il y a une autre notion qui est intéressante, même si on ne l'a pas explicitement dit ici, c'est que de fait, ce que l'on propose, c'est de faire des purges, mais quand on propose, nous, de faire une purge, c'est une purge comptablement cohérente. Hein, ce n'est pas une purge technique. C'est-à-dire que ce ne sera pas une purge qui va correspondre à un exercice, c'est une purge qui va correspondre à un ensemble d'exercices en fonction de ce qui a été décidé par le client, et avec en sortie de cette purge des états comptables cohérents. Et puis enfin, le refond de l'architecture technique, même si ça se voit un petit peu moins maintenant, mais on a eu souvent l'occasion de faire des projets assez complexes, en particulier lorsqu'il y avait des projets de SIGA d'instance et de fusionner des instances. Victor, j'ai une petite question pour toi, de Jérôme, qui demande, voilà, donc tous les domaines fonctionnels ne sont pas couverts ta solution, et notamment, il pose la question de savoir comment ça se passe pour les modules que tu appelles exotiques, comme par exemple Advanced Pricing, Order Management, Contracts, Field Service, Install Base, etc. Tout à fait, tout à fait. Alors écoute, on a réfléchi sur cette problématique. Clairement, je vais reprendre un exemple que tu as pris.
Je vais prendre l'exemple de order management. Bon, si on nous demande de reprendre les commandes clients aujourd'hui, on va travailler sur la reprise des commandes clients, bien entendu, et puis on va le faire dans un mode développement, on va faire du code pour développer tout ça. Et puis ce qui va se passer par contre, et ça c'est le plus important, c'est qu'on va être obligé d'être très vigilant dans le phasing du projet. Hein, clairement, il va falloir séquencer les tâches, bien entendu, de manière à faire les commandes clients avant de faire la reprise des factures clients, puisque les factures clients font référence aux commandes clients. Voilà. Donc c'est juste une question de phasing et de construction de l'ensemble des tâches. Donc, ce que tu dis, c'est que tu peux faire du développement dans ta solution pour des modules qui sont aujourd'hui pas couverts. Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord. Exactement okay. Ça. Pour donner une idée, on a été sollicité il n'y a pas longtemps pour un projet sur lequel il y avait finance et achat, mais il y avait, on avait compté 6 ou 7 modules que l'on ne traitait pas et qu'on acceptait quand même de développer. Voilà. Donc, dernier point, donc, c'était une fiche de synthèse un petit peu sur tout ce que l'on fait. On revient dessus, Bertrand. Voilà. Là où je voudrais insister quand même sur un point important, c'est la réduction des délais et des budgets. Parce que quand on a développé SoftApack, notre idée, c'était la suivante. Il n'était pas question pour nous de pouvoir postuler sur un projet si on ne proposait pas des réductions de délais et de budget. Hein, et dans notre idée, il fallait qu'on soit compétitif avec au moins 30% d'économie à proposer aux clients. C'était notre objectif. Ça peut être plus, mais en tout cas, le minimum, c'est d'abord de proposer au moins 30% de réduction des délais et des budgets. Alors, dernier petit point quand même, je vais laisser la parole à Bertrand, mais juste pour vous dire que tous les projets que l'on mène, on les mène sur notre partie reprise de données, on les mène bien sûr tout seul, puisque aujourd'hui c'est une expertise que l'on a et que l'on n'a pas diluée à ce jour. Donc c'est nous-mêmes qui faisons les prestations d'accompagnement autour de nos projets. On les fait bien sûr par contre avec des intégrateurs, on a travaillé avec CGI, on a travaillé avec Sopra, on a travaillé avec GFI, mais en tout cas toujours sur le sous-ensemble de reprise des données, ce sous-ensemble par rapport à la globalité du projet, on est toujours autonome. Hein. On arrive à travailler, on travaille très bien avec les intégrateurs tout en étant autonome sur notre partie. Voilà, je vais laisser Bertrand vous parler peut-être de SoftCloud. Ça marche. Notre dernier bébé. Voilà. Donc SoftCloud, bonjour. C'est donc notre solution de reprise de données à destination de Oracle ERP Cloud. Alors, c'est une interface orientée utilisateur, mais on peut très bien imaginer un profil technique utiliser SoftCloud pour des reprises complexes. Un peu de vocabulaire. En fait, SoftCloud s'appuie sur ce que Oracle appelle des FBDI. En fait, ce sont des classeurs Excel qui servent de point d'entrée à l'ERP Cloud. Donc, ces classeurs possèdent une macro qui permet de générer automatiquement une archive avec des fichiers CSV qui pourront être lus directement par l'ERP Cloud. Pour ceux qui viennent du monde IBS, c'est un peu GLDI généralisé à tous les points d'entrée. Le schéma, donc SoftCloud, c'est en entrée des fichiers, que ce soit des fichiers de mapping, des fichiers de données sources, et pour IBS, des extracteurs intégrés qui permettent de récupérer automatiquement les données d'IBS. En sortie, les fameux FBDI, ou directement le fichier archive avec les CSV lisibles et importables qui peuvent être importés dans ERP Cloud. Les fonctions de SoftCloud, c'est d'abord un dictionnaire de FBDI, ça veut dire qu'en fait, qu'on stocke toute la définition des FBDI avec les onglets, les champs, le format des champs, la description des champs, le côté obligatoire des champs. Donc on charge des fichiers, on sait charger des fichiers sources et de transformation, de mapping, des extracteurs intégrés à SoftCloud, l'extracteur IBS. On peut filtrer les données pour ne pas tout reprendre d'un coup si on le souhaite, faire une reprise par lot par exemple, par rapport à ce qu'on a importé comme données. Les règles d'alimentation, ça va être un peu le cœur de SoftCloud, c'est là où on va décrire la façon selon laquelle on va remplir les FBDI, les champs des FBDI. Donc ça peut être une donnée directement, une donnée de la source, ça peut être une constante, ça peut être une opération,
ça peut être une transformation de la donnée à travers un mapping. Donc il y a beaucoup, pas mal de possibilités offertes à l'utilisateur là-dessus. Et enfin, en sortie, on génère les fameux BDI qui vont pouvoir être importés ou directement les fichiers archives pour le RP Cloud. Les avantages, donc les points forts de SoftaCloud, c'est de traiter aussi bien de l'Excel que du CSV, d'être capable d'extraire automatiquement d'IBS en gérant ou non une date de cutoff, donc le cutoff comme l'a expliqué Victor tout à l'heure. Et pareil, un peu à l'instar de SoftaPack, nous avons un stockage des données sources dans un schéma, donc celui-ci est accessible pour effectuer toutes les modifications qu'on souhaite et apporter toute la complexité qu'on souhaite apporter à la reprise des données. Le plus aussi, c'est de SoftaCloud connaît, c'est alimenter automatiquement une donnée IBS dans un FBDI cible, qui va savoir dire telle donnée IBS va dans tel champ de tel FBDI cible. Donc ça permet d'avoir de la préalimentation automatique des règles d'alimentation par défaut générées lors de l'extraction d'IBS. L'interface utilisateur qui permet effectivement ensuite de décrire des conditions, des règles d'alimentation un peu plus complexes. Et bien sûr, le point fort, c'est l'automatisation au maximum de la reprise vers le RP Cloud. Alors, un petit exemple d'écran. Donc, ça permet de voir un peu l'interface utilisateur de SoftaCloud. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, orienté utilisateur. Sachant, comme je vous l'ai dit, on peut aussi avoir un profil plus technique qui utilise SoftaCloud, parce qu'on a en fait introduit la notion de mode développement dans SoftaCloud, qui permet de définir ses propres procédures dans le produit pour valider, alimenter directement les FBDI et pour faire quelque chose de vraiment très complexe et d'avoir la main sur le développement d'une solution de reprise totale. Donc le mode développement, en fait, il va s'intégrer directement dans SoftaCloud à travers un écran. On va pouvoir décrire pour un composant une source qu'on va utiliser comme procédure PLSQL, comment on va enchaîner les FBDI, etc. Et ensuite, on utilise toujours l'interface utilisateur normale de SoftaCloud pour aller jusqu'à la génération du FBDI ou du fichier archive. Enfin, on a expérimenté la reprise de l'RP Cloud vers le RP Cloud. Donc, le monde de l'RP Cloud, la contrainte, c'est essentiellement de ne plus avoir accès aux données directement SQL. Donc, ça veut dire qu'on a développé chez Softa un catalogue de requêtes BI, puisque BI devient l'outil d'extraction unique, on va dire, intégré de l'RP Cloud pour accéder aux données. Donc à partir de ce catalogue de requêtes BI, on peut générer des fichiers Excel qui vont arriver en entrée de SoftaCloud, et ainsi de suite, on a fait la boucle. Donc voilà la présentation de SoftaCloud. J'ai été un peu vite peut-être, je vois qu'il n'y a pas de questions. Merci Bertrand. Non, pas de questions pour le moment. Les gens sont partis, je vois qu'il n'y a plus que deux participants. on vous souhaitait finir par quelques références, mais je pense qu'on est déjà assez connu pour ça. Victor, si tu veux rajouter quelque chose sur les références? Non. Non, il n'y a pas que deux participants, Bertrand, ne vous inquiétez pas. blaguez. Demandez de mon avis. En tout cas, juste un petit mot pour dire que, en tout cas, on essaye de faire avec SoftaCloud tout ce qu'on pouvait faire avant avec SoftaPack, quand bien même, évidemment, avec le cloud, on a moins de latitude par rapport à l'accès aux bases, à la cible d'Oracle. Pour autant, on essaye quand même d'aller plus loin, et on a déjà été sollicité par des clients qui sont des clients qui ont migré de la R12 vers le cloud, qui sont en production, et en production qui regrettent maintenant d'avoir repris que les à nouveau. Alors évidemment, ce n'est pas simple quand on est en production de revenir en arrière et faire des reprises, on va dire, a posteriori. Mais tout ça pour vous dire que c'est faut bien réfléchir
Et il ne faut surtout pas avoir peur d'envisager, d'être ambitieux sur la reprise. Nous, on a ce credo, la reprise des données de production, de manière générale, et c'est un ancien directeur d'Oracle qui disait ça, avec la reprise des données de production dans un projet de migration, on quitte le strass-paillette, on est au carrefour des problèmes. Donc, on a fait de cette problématique un peu notre cœur de métier, nous, et on part du principe aujourd'hui que la reprise des données de production, la reconstruction des données, c'est quelque chose qui doit être sanctuarisé, qui ne doit pas du tout être sacrifié. L'outil de pilotage de l'entreprise. Et je ne vois pas comment on peut s'affranchir d'un minimum de reprise de données, et ce minimum étant sûrement plus qu'un cut-off sec. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut reprendre tout, bien entendu. On n'est pas obligé de reprendre 15 ans de l'historique. Mais reprendre un an ou deux de l'historique, ce n'est pas plus mal pour pouvoir faire des comparaisons. Surtout si les règles de gestion n'ont pas trop changé. Ok. Eh bien, écoutez, pas d'autres questions à ce stade. Merci à tout le monde.